On a un partage d'expérience de deux personnes en fait, qui travaillent à ATD Carmonde. Donc ATD Carmonde, c'est une structure, une asso, une ONG en fait, qui pense et agit avec les personnes en situation de grande pauvreté afin d'établir ensemble les conditions d'une véritable participation. Alors, je vais commencer par présenter Céline. Du coup, Céline, donc, elle a été enseignante et elle est devenue alliée du mouvement ATD Carmonde. Donc, je vous laisserai expliquer ce que veut dire alliée, bénévole permanent, etc. En région parisienne au tout début des années 2000. Donc elle a, comme étant enseignante, elle a allié à la fois cette pratique d'enseignante avec la conscience du rôle du travail social, du rôle social pardon, de l'école et de l'engagement bénévole à ATD Carmonde jusqu'en 2013. Ensuite, en fait, elle a accepté une mission en tant que volontaire permanente au sein du mouvement, une mission qui se nommait promotion familiale, sociale et culturelle dans les quartiers de Lille. Et cette mission avait pour objectif de recherche, en fait, de rechercher les conditions nécessaires pour que toutes les personnes puissent réaliser leur projet personnel, familial et citoyen. Donc ça a été un projet qui a été mis en place jusqu'en 2018. Voilà. Et ensuite, elle a démarré depuis janvier 2019 un nouveau projet, si je peux le dire comme ça, nouvelle mission, voilà, à Lille. Où elle est au plus près des familles en précarité et des professionnels qui les entourent. Et elle allie ça aussi avec la responsabilité du département, le département petite enfance, famille, du département petite enfance, famille nationale. Et ça l'emmène en fait sur des terrains où ils abordent la notion de représentation du mouvement, du combat politique, pour que le monde change, toujours en partant du savoir de vie des plus pauvres, croisé à celui des professionnels et du savoir académique. Au bénéfice de tous. Sreng, lui, donc, tous les deux vivent à Lille. Il a rencontré le mouvement ATD Carmonde il y a maintenant à peu près 20 ans. Il a été attiré par ATD Carmonde parce qu'ils alliaient l'importance de la culture à la lutte contre la misère. C'est vraiment ces deux sujets qui t'ont fait intégrer ATD, si j'ai bien compris. Dans une première vie, il a été ingénieur informatique, puis docteur en neurosciences. Et donc, il a été bénévole, donc allié, permanent, volontaire permanent, sur des missions qui sont assez diverses, telles que l'Université populaire Carmonde, le savoir dans la rue, il a fait des formations, il fait de la promotion familiale, sociale et culturelle. C'est pas terminé, hein, il a un beau petit... Et actuellement, en fait, il partage son temps entre une équipe d'animation régionale dans le Nord-Pas-de-Calais et une mission nationale sur la mise en place d'un projet pilote qui s'appelle Écologie et grande pauvreté. Voilà, et donc là, je vais les laisser tous les deux nous partager leur expérience au sein du mouvement ATD Carmonde à travers ces différentes missions. Merci. Donc, bonjour. L'angle qu'on va prendre, c'est surtout l'angle des oppressions dans le milieu de la grande pauvreté. On va beaucoup parler de ça ce matin, un petit peu moins de la posture d'allié. Et on verra, on va parler un tout petit peu de ce qu'on va faire cet après-midi dans notre atelier. Donc merci d'être là. Je ne sais pas si on a besoin de présenter ATD, puisqu'on en a parlé un petit peu. Le but, c'est surtout vous dire d'où on parle. Voilà. On n'a pas une connaissance universelle, totale, omnisciente de la grande pauvreté. On parle bien à partir d'une expérience, à partir d'une association qui est ATD Carmonde. On parle bien d'un point de vue, mais c'est pas parce que c'est un point de vue que en fait c'est pas qu'il n'y a pas de recul, qu'il n'y a pas de travail, qu'on n'a pas fait des recherches, voilà. ATD Carmonde, ça porte une utopie qui est éradiquer la misère. Ça a 3 mois d'action. On est avec les familles en situation de grande pauvreté, mais pour que tout ça en fait puisse changer de manière systémique, en fait, on travaille beaucoup au niveau des institutions et puis avec le grand public aussi. Il y a 3 types d'engagement à ATD Carmonde, et donc les premiers en fait sont des personnes en situation de pauvreté qui sont membres d'ATD. On les appelle les militants Carmonde. ATD Carmonde a été créé par Joseph Wrzinski, qui est d'Angers, qui habitait à 200 mètres d'ici, je crois, qui lui-même est issu de la grande pauvreté. Et ça teinte énormément cette association, d'avoir été créé par quelqu'un qui a lui-même vécu la grande pauvreté. D'autres membres sont les alliés, on les a appelés comme ça, donc des personnes qui ne vivent pas la grande pauvreté mais qui rejoignent ce combat.
Et puis il est permanent, donc il est volontaire permanent, comme Céline et moi. Alors, à partir de l'exemple réel d'une famille réelle, caméra, pardon, j'ai trop de choses à penser. Puis là, je suis un petit peu enfoncée dans mon appréhension du moment, donc je vais essayer de rester connectée à ce qui se passe autour de moi. On va vous raconter une histoire, l'histoire d'une famille. Il se trouve qu'on la connaît, c'est une vraie famille. Ce qu'on va vous raconter là, c'est une petite tranche de vie qui lui est vraiment arrivée. Et à partir de cette histoire, on va regarder comment on peut décrire le fait de vivre dans la grande pauvreté comme le fait d'expérimenter dans sa chair, jour après jour, dans plein de dimensions de son existence, de l'oppression, de la domination. Oppression et domination, c'est des mots dans lesquels on décrit assez peu. C'est des mots qui ne font pas trop partie de notre vocabulaire habituel pour parler de la grande pauvreté. Peut-être parce que les personnes très pauvres en parlent assez peu dans ces termes-là. Et que nous, on est proches des personnes et qu'on essaie de faire des ponts entre des mondes et du coup de faire attention à comment eux-mêmes parlent d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est un exercice un petit peu inhabituel pour nous de décrire la grande pauvreté dans ces termes-là, même si pour le coup, cet exercice a eu beaucoup de sens pour nous. Et du coup, juste pour préciser que peut-être on utilisera les mots oppression, domination de façon peut-être un peu moins précise que d'autres qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous sur la question. Alors, on va commencer par découvrir cette tranche de vie ensemble. Je vais la lire à haute voix. On l'a étalé sur quatre diapos juste pour l'écrire assez grand. C'est pas parce que c'est super long. Alors, c'est l'histoire d'une maman qui a quatre enfants. Elle est malade depuis plusieurs mois. Elle tousse, elle est fatiguée. Elle met du temps avant d'aller consulter un médecin. On lui diagnostique la tuberculose. C'est très contagieux. Le médecin lui prescrit une hospitalisation en urgence pour un mois. Elle ne veut pas être hospitalisée parce qu'elle a peur que sa famille ne subvienne pas à ses besoins pendant son absence. Les fins de mois sont toujours difficiles. La famille vit des minima sociaux et des allocations familiales. Ils n'ont pas d'argent de côté pour parer au coup dur. Un travailleur social suit la famille depuis plusieurs années. Enfin, plusieurs travailleurs sociaux. L'éventualité d'un placement des enfants est régulièrement mise à l'ordre du jour, notamment parce que les enfants manquent souvent l'école. La maman est inquiète. Son hospitalisation ne va-t-elle pas entraîner un plus grand absentéisme de ses enfants puisqu'elle ne sera pas là pour les lever et les emmener à l'école? Elle sait qu'elle ne peut pas compter sur ses voisins, ils n'ont pas de bonnes relations. À part son mari et ses enfants, elle ne peut pas se tourner vers sa famille élargie. Un mois, c'est long et l'hôpital est loin. Les enfants pourront difficilement venir la voir. Les déplacements en transport en commun coûtent cher. Le papa a bien une voiture, mais elle est en panne depuis plusieurs années, faute d'argent pour la réparer. La maman cherche des solutions. Le temps de son absence, les enfants pourraient rester au domicile avec l'appui du papa et de la fille aînée, qui a 14 ans à ce moment-là, et de bénévoles d'une association où elle est elle-même engagée. Pour le lever pour l'école, les courses, le ménage, l'accompagnement chez le médecin, etc. À ces conditions-là, elle est rassurée, elle est prête à partir à l'hôpital, mais elle est convoquée par le travailleur social qui refuse les solutions de la maman. Il n'a pas confiance dans les compétences du papa pour s'occuper des enfants et propose un placement provisoire. La maman refuse, elle a peur que le placement dure, qu'elle ne puisse pas récupérer ses enfants quand elle sortira de l'hôpital. Le dialogue est difficile, chacun campe sur ses positions, ce qui retarde l'hospitalisation. On rappelle qu'il s'agit de la tuberculose. Voilà, peut-être juste prendre quelques secondes pour essayer de s'imprégner un peu de l'histoire. On va la reconsidérer, cette histoire, en prenant des petits morceaux qui, selon nous, sont démonstratifs de l'expérience d'une domination, d'une oppression. Et on va
découvrir à quel point ça touche tous les domaines de l'existence. On a les petits morceaux qu'on va prendre. On ne va pas les prendre dans l'ordre chronologique de l'histoire. On a commencé par les choses qui sont le plus évidentes, qui relèvent de ce qu'on imagine le plus facilement quand on ne connaît pas soi-même, dans sa chair, ce que c'est que vivre en grande pauvreté, les choses qu'on imagine le plus facilement. Et on va aller vers des choses qui sont de plus en plus difficiles à imaginer. Alors, la première chose qui caractérise la grande pauvreté et dont on peut imaginer à quel point ça pèse, à quel point on le subit, c'est dans ce sens-là qu'on a pensé l'oppression, des choses qu'on subit, qu'on voudrait ne pas subir et sur lesquelles on n'a pas prise. C'est évidemment cette histoire de fin de mois difficile, de vivre avec très peu de moyens et en plus des moyens qui ne sont jamais sûrs. C'est ce qu'on a appelé du coup le manque de travail décent, le revenu insuffisant et précaire. C'est pas la même chose. Le fait à chaque instant de savoir qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ce qui empêche du coup la sécurité, le fait de savoir que s'il y a un coup dur, on va pouvoir quand même s'en sortir, ce qui empêche de faire des projets. Et tout le monde a envie de faire des projets. C'est vraiment quelque chose qu'on subit de ne pas pouvoir en faire. Et le fait qu'il soit précaire, c'est encore autre chose. C'est le fait que même ce peu qu'on a là, ce mois-ci, est-ce que le mois prochain, je vais l'avoir encore ? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est que de gagner le RSA. Il n'y a rien de plus variable que le RSA. D'un mois sur l'autre, vous avez 100 balles de plus, 100 balles de moins. Et pour rattraper, c'est très compliqué. Et du coup, privation matérielle, sociale et de droits qui vont avec le fait d'avoir très peu de moyens. Et ça, on vit avec tous les jours. Et ça prend de la place dans votre tête tous les jours. Cette petite vignette, là, elle parle de l'impact que ça peut avoir dans le corps et dans le cœur et dans l'esprit. Avec le fait que c'est difficile, la souffrance, la peur permanente. Et le verso de la médaille, ben, c'est que le matin, on se lève quand même. Ça veut dire qu'on combat ça et qu'on résiste contre ça. Donc c'est un petit peu à part, parce que ça, c'est la conséquence de l'oppression. Ce ne sont pas la description de l'oppression elle-même. Les enfants pourront difficilement venir la voir. Là, il y a à nouveau quelque chose qui est en lien avec le fait, tout simplement, de ne pas pouvoir se payer le transport. Hein. Du coup, on l'a intitulé « Privation matérielle et sociale et de droit ». Et évidemment, pour cette mère, l'expérience concrète d'être à l'hôpital, d'envisager d'être à l'hôpital et que ses enfants ne viennent pas la voir pendant un mois, et pour ses enfants, le fait de savoir que maman va aller à l'hôpital et qu'on ne pourra pas aller la voir, là, on vit quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre et on n'a pas les moyens de faire autrement. Cet aspect-là, il est moins évident déjà. Alors, il y a une partie évidente, c'est le fait d'être malade depuis plusieurs mois, de subir la maladie du corps. C'est lourd, c'est fatigant. Elle a peur parce qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Voilà, ça, c'est évidemment, le corps est oppressé au sens physique du terme. Mais il y a autre chose là, qui est un peu moins évident du coup, le fait de mettre du temps avant d'aller consulter un médecin. C'est très très fréquent en milieu de grande pauvreté que de pas aller consulter dès que ça peut nous paraître à nous raisonnable de le faire. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une oppression qui est intériorisée, en fait. Personne n'empêche concrètement cette femme d'aller chez le médecin. Qu'est-ce qui l'en a empêché pendant des mois, alors qu'elle se rend bien compte qu'elle est malade ? Il y a quelque chose en lien avec l'estime de soi, avec
la conviction d'être valable, d'être assez digne pour prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Et donc là, ça me faisait penser, moi, à cette expression du plafond de verre, qui est vraiment identifiée comme une oppression à l'œuvre et intériorisée dans le domaine de l'accès à l'emploi. C'est le fait que les femmes n'arrivent pas à dépasser un certain niveau en termes d'emploi. Là, moi, je trouve qu'il y a un parallèle. Je propose de faire le parallèle avec le fait que la capacité à se mobiliser et à mettre en œuvre ce qu'il faut, ne serait-ce que pour rester en bonne santé. Chez les personnes très pauvres, il y a quelque chose qui est parfois empêché. C'est à partir d'une histoire précise. On ne peut pas faire de généralité, bien sûr. À chaque fois qu'on parle des très pauvres, forcément, on trouvera des contre-exemples. Ici, on va parler du placement maintenant, ou plutôt de l'éventualité du placement. Les enfants vivent à la maison, et on n'est pas en train de juger voilà, si ça se passe bien ou mal, pourquoi ils ne vont pas à l'école, si ses parents sont capables ou pas, ce n'est pas notre propos. On est en train de regarder de façon sensible qu'est-ce qu'elle vit, cette femme. Et concrètement, elle vit quelque chose qui est assez inimaginable, en fait. L'expérience d'être chez soi, dans sa maison, avec ses enfants, avec la peur qu'un jour, de façon subie, ils aillent vivre ailleurs. Et là, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qu'une sociologue à Lille a très bien démontré dans un article, où elle démontre les biais de classe et les biais de genre qui sont à l'œuvre dans la réponse sociale. Et on développera le sujet si vous avez envie après. Et ce qui s'appelle là maltraitance sociale, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il y a dans le regard des non-pauvres quand ils regardent un pauvre. Et le fait que cette femme soit jugée capable ou non d'élever ses enfants, ça en fait partie. Et la maltraitance institutionnelle est très liée, parce que les institutions, du coup, sont des systèmes, mais qui ne sont pas nés de rien. Ce sont des personnes qui les mettent en place, ce sont des personnes qui votent des lois pour définir comment fonctionnent ces institutions. Et que ce soit l'aide sociale à l'enfance, ou que ce soit l'éducation nationale, où j'ai été, j'avais bien conscience de faire partie d'un système broyeur pour les catégories sociales les plus pauvres. Donc là, on reparle de peur. La maman est inquiète. La peur, elle est transversale. Dans chaque épisode de l'histoire, la maman a peur. Et en fait, elle a peur toute sa vie. Elle a peur tout le temps. Dernier extrait de l'histoire qu'on va analyser. Le fait que le travailleur social refuse les solutions proposées par la maman. Encore une fois, on n'est pas en train de juger des compétences de ce travailleur social. Ce n'est pas du tout en train de le mettre en cause en tant que personne. On est en train d'essayer, dans la mesure du possible, et l'une des choses qu'on voudrait essayer de vous faire sentir, c'est à quel point, en fait, ce n'est pas imaginable de nous projeter, quand on ne l'a pas vécu, dans ce que c'est que vivre la très grande pauvreté, y compris ici, en France, en bas de chez nous. Cette maman a imaginé des choses, elle a proposé des choses, elle a essayé de chercher des solutions. Il y a un autre être humain qui a du pouvoir sur elle et sur sa famille et qui dit non. Je propose le placement des enfants. Donc quand on dit je propose, quand un travailleur social propose le placement des enfants, c'est rarement une proposition. C'est écrit comme ça, mais... Donc, on retrouve la maltraitance institutionnelle au sens dont on a parlé tout à l'heure, le fait que la protection de l'enfance dans son ensemble peut se mettre en route, et c'est une mécanique. Quand on y rentre, c'est difficile d'en sortir. Et ici, il y a une dimension qui pèse très très lourd en termes de domination sur les personnes au quotidien, qu'on a appelé les contributions non reconnues. C'est-à-dire le fait que cette femme a réfléchi, elle a proposé des trucs, peut-être que ça ne convenait pas parfaitement. On n'est pas en train de juger ça. C'est juste qu'à aucun moment, sa pensée, son intelligence, son expérience, sa volonté de co-construire des solutions n'ont été posées sur la table
à égalité de dignité avec la réflexion, l'intelligence, l'expérience, la compétence du travailleur social, et on mixe tout ça ensemble. Oui, je me dépêche. On reparle de la peur ? Bon, vous avez compris qu'elle est transversale. Au final, l'hospitalisation a été retardée de plusieurs semaines. Donc là, on retrouve la privation de droit, le droit à se faire soigner, en fait. Et alors, quelque chose du coup qu'on a mis là, qu'on aurait pu mettre dans les précédentes aussi, qui est un peu transversal également, qu'on a appelé la dépossession du pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de prendre en main ce qui est important pour soi, pour ses proches et pour sa communauté, d'avoir un impact dessus. Là, dans l'histoire de cette maman, quelque chose d'aussi intime, d'aussi personnel, d'aussi... On se dit que c'est juste pas possible, que ça nous échappe, que le fait d'être reconnue comme la mère de ses enfants, eh ben ça peut lui échapper. Et là, il y a vraiment une expérience sensible, difficile à imaginer. En fait, c'est un exemple, mais ce genre de situation, c'est très, très, très courant. Vous avez vu, en fait, enfin, ce que subit la famille, c'est des multiples oppressions au même moment. Ce qui est terrible aussi, c'est qu'en fait, ça se répète, c'est là, sur la longueur, et ça revient. Et pour beaucoup de gens qu'on connaît, en fait, c'est pas juste un accident de la vie, c'est qu'en fait, même quand ils étaient enfants, ils voyaient ça déjà. Et on a fait des monographies d'enquête qu'on a remonté jusqu'à la Révolution française. En fait, c'était de génération en génération. Ce sont des gens qui vivent avec une épée de Damoclès, constamment. C'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur. Et cette épée de Damoclès leur tombe dans la figure. Vraiment. Nous, chaque semaine, toutes les deux semaines, les gens nous racontent encore quelque chose qui leur est arrivé. Quoi. C'est tout le temps. Donc forcément, en fait, ça a un impact sur leur vision du monde, de ce qui est dangereux, de l'insécurité. L'autre jour, on travaillait avec des enseignants, des groupes de pères, enfin des parents en ancienne pauvreté et des enseignants. On parlait juste de rendez-vous, enseignants, parents. Et les enseignants disaient l'importance, en fait, de un peu mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté, chez l'enfant, etc. Parce que voilà, pour bien travailler. Et les parents disaient, oh là, je vais raconter. Ça va pas. Je vais me mettre en danger si je raconte. Même pour des choses anodines, qui ne sont pas anodines justement, qui nous paraissent anodines, ça peut être pris pour du danger et ça peut être réellement du danger pour eux. Ça change en fait la vision, ça crée une certaine vision de soi, c'est aussi en fait faire confiance ou non aux gens. Donc là en fait, si on rassemble tout en fait, ça fait, on a ce schéma-là qui ne vient pas de n'importe où en fait. Là, j'aurais voulu donner d'autres exemples d'autres personnes, mais là, ici, donc, l'impact au milieu, ça vient en fait d'une recherche. Ça. C'est une recherche donc, qui s'appelle « Les dimensions cachées de la pauvreté ». L'idée, c'était, on a des mesures, des indicateurs chiffrés de la pauvreté, mais et ces indicateurs ont comme un impact sur la vie des gens parce qu'elles pilotent des politiques publiques. Ces chiffres pilotent des politiques publiques quand même. Et donc on voulait en fait construire deux indicateurs, et dans ce chemin-là, on a travaillé en fait avec l'Université d'Oxford pendant 3 ans, dans 6 pays que vous voyez là, Royaume-Uni, Tanzanie, Bolivie, etc. Et c'était une recherche participative, c'est-à-dire que les personnes en pauvreté faisaient partie de la recherche. Il y avait des chercheurs et des professionnels, il y avait plus de 1000 personnes dedans, il y avait la moitié qui étaient des personnes en pauvreté. Et c'était en fait basé sur le croisement des savoirs et des pratiques qui met en œuvre ce qu'il faut pour que les gens puissent travailler à égalité de parole. On parlait de rééquilibrage là-dedans, en fait, c'est le croisement des savoirs, l'un des buts, c'est rééquilibrer. Et donc, rapidement, en fait, quand on se demande en fait, qui oppresse et du systémique, je suis désolé, en fait, ici on a mis machine judiciaire, etc. C'est un peu caricatural, quoi. C'est pas les questions de ça n'ont pas été créées pour taper sur les gens. On dit pas que la justice fonctionne que comme une machine broyeuse. On dit pas que voilà. Ouais. Mais ça arrive, et lorsqu'on est marqué physiquement par la grande pauvreté, que la pensée est compliquée, que la parole est encore plus compliquée, il y a quand même des mécanismes effectivement
qui peuvent être observées, donc, qui sont de l'ordre de l'oppression. Il y a bien du systémique, mais dans le systémique, il y a toujours des personnes. Il y a toujours des personnes, mais il n'y a pas que des personnes. Il y a vraiment les, enfin, voilà, la partie systémique, la partie interrelation, etc. Et puis, il y a des personnes aussi. Et ces attends, personnes-là... Attends, Srank, tu peux juste revenir ? Il y avait un exemple important là. Ah, je... Il y a un exemple important qu'on, enfin, qui me semble important dans le champ des contributions non reconnues. Est-ce que vous savez que lorsque vous habitez en HLM, si vous hébergez quelqu'un qui est à la rue, vous risquez de perdre votre logement. La solidarité dont le monde a tant besoin et qui est une valeur qui est fréquemment rencontrée chez les gens très pauvres, eh ben, la société, le bailleur, là par exemple, les bailleurs, sont organisés de façon à les empêcher de la mettre en œuvre. Mon cousin, ma voisine, mon voisin se retrouvent dehors, je n'ai pas le droit de l'héberger, sinon je me mets en danger, ce qu'ils font concrètement très souvent. Voilà un exemple concret de comment la société peut s'organiser de façon à ne pas reconnaître des valeurs et des belles choses que les personnes en situation de pauvreté peuvent contribuer à la société. Bon, du coup, je vole aussi un peu de temps, là, parce qu'on parle beaucoup d'oppression, etc. Des contributions des personnes en situation de pauvreté, il y en a énormément, tout le temps. Et donc, il ne faut pas croire qu'en fait, que les gens, ils font que se prendre ça, ils se prennent tout ça dans la gueule, mais ils font énormément de choses. Il y a quelques années, Haïti, tremblement de terre, ce qu'on voyait dans les médias, c'était les pillages. Et on voyait aussi les humanitaires apporter en fait, de bonnes choses pour les gens qui venaient aider, etc. Nos équipes à Haïti, ce qu'ils nous racontent, et en fait, qu'on y pense un petit peu, en fait, c'est assez logique. L'essentiel du travail, en fait, pour déblayer les chemins, pour déblayer les logements, pour partager en fait, la nourriture, etc., tout ça, l'essentiel, c'est des habitants entre eux. Dans les quartiers très très pauvres, l'essentiel, et de loin, l'essentiel du travail, c'était les gens entre eux. C'est pas du tout les humanitaires, c'est pas du tout des gens comme nous. Nous, on est minuscules là-dedans, minuscules. Il y a une déformation énorme, en fait, dans les médias. On nous interviewe, et en fait, c'est minuscule. C'est aussi des gens, en fait, quand on leur demande « qu'est-ce que vous faites ?», ils disent « bon, on fait rien ». Et quand on prend le café avec eux, qu'on prend du temps, là, ils vous racontent que, à 3h du mat, ils sont allés voir en fait, une voisine qui était vraiment pas bien, qui était dépressive. Bah, c'est eux qui l'ont fait. Une dame en fait, qui est devenue veuve, eh bien, ce sont ses voisins qui lui ont rempli le frigo en situation de pauvreté. Des histoires comme ça, on en a, mais des kilomètres, des kilomètres. Et ça manque énormément au récit, énormément. Au récit collectif, c'est totalement injuste parce que c'est totalement disproportionné ce qu'on entend, parce que l'essentiel en fait de la solidarité, c'est eux qui la font vivre, et on n'en parle pas vraiment, vraiment pas assez, quoi. Et en ce qui concerne la dame dont on vous a partagé un petit fragment d'histoire, il ne faudrait surtout pas qu'à la fin de notre propos, parce que voilà, notre axe là, c'est de décortiquer les oppressions qu'elle subit, il ne faudrait surtout pas que vous ayez une image d'elle comme d'un pauvre être humain pilonné par la vie. Cette femme, quand nous, on a eu un incendie il y a 2 ans, elle nous a donné des vêtements pour nos enfants. Alors que ses enfants sont placés aujourd'hui. Alors, qui oppresse qui, en fait, c'est ce qu'a dit Nathalie, en fait, c'est chacun de nous dans notre métier, en tant que voisin, etc. Mais on n'est pas que des oppresseurs non plus. Et enfin, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Nathalie. Enfin, ça résonne beaucoup avec ce qu'on essaie de faire, quoi. On fait partie de ça et on essaie de faire en sorte d'être le plus utile possible. Mais on fait quand même partie de ça. Et donc cet après-midi, hein, dans l'atelier, on va travailler beaucoup sur les postures d'alliés, etc. Mais on va pas tout prendre toutes les oppressions. On va surtout se focaliser sur la domination de la parole. Voilà.